Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode. Ouh là là! Ouh là là! Oh là là, j'avais pas mis ma fin à la réunion! Pour ce nouvel épisode de la place du marché. Et notre petite Darren est en train de pleurer. Maman, si tu peux venir, s'il te plaît, t'en occuper. Drasik, pas la peine de venir réveiller ta mère. Voilà. Tiens, tu peux jouer un petit peu si tu veux au petit cubat. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais si... viens là. Viens là. Viens là. Alors, il n'y avait pas de souci quand tu t'occupais de Drasik. Maintenant que ta fille, tu sais plus t'en occuper. Dita! Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça m'agace. Ok, c'est bon, tu vas pouvoir reprendre... Non, tu t'en fous de ton fils. J'avais un double verso, en fait. Hein, c'est-à-dire que l'un dans l'autre, il y en avait deux. J'ai dû en supprimer un, donc j'ai gagné 150 simflouz. Mais c'est du n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé dans une partie d'avoir un double verso. Du coup, c'est pour ça qu'il ne peut pas y accéder. Bon, voilà, voilà. Je ne sais pas si je vous avais montré cette tenue-là. Elle est un peu nouvelle, elle est un peu sexy. Dita, elle a un prix et du poids. Hein, donc, prochaine réunion de groupe, eh ben, elle fera, elle aussi, du sport. D'ailleurs, les pauvres, j'avais complètement oublié que j'avais pas fermé la réunion. Ils vont être dans un état. Enfin, bref. Maman, ta fille a besoin de toi encore. Tu vas l'allaiter, puis la bercer. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu peux toujours pas aller au pot. Tu peux babiller. Qu'est-ce que c'est, babiller? Qu'est-ce que c'est pendant ce temps-là? Dita! Oh, oh, réveille-toi, là. Lève ton gros cul, là. Il y a Darren qui demande encore une fois de l'attention. Ah, les bébés, toujours ce bonheur. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est debout? Ah bah écoute, va pisser, hein, fais ta life, hein, à 6h du matin. Bah vas-y, fais ta vie. Niveau carrière, Dita donc est prédestinée à avoir une promotion quand elle se lève. On arrivera au niveau 8. Donc bien sûr, le but est d'arriver le niveau 10, au niveau 10 de sa carrière pour débloquer une pièce. Et voilà, nous avons une promotion dans la poche. Attention, elle a été promue magicienne de la mode. Ah oui, quand même. Elle gagnera, oh la vache, 90 simfous de plus par heure, soit 310 simfous de l'heure au total. Non mais c'est une blague. Non mais là, c'est une blague. On va gagner combien d'argent? 7 heures par jour? Oh my god, on va être pété de thunes. Ça va être bien pour la rénovation de la maison. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de budget, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Elle a reçu aussi en bonus 1999 Simflouz, un appareil photo numérique clarté parfaite. Ah oui, donc à mon avis... Ah, c'est celui-là. Oui, c'est un vieil appareil quand même. Hein. Mais cool. Donc on va pouvoir faire des trucs assez sympas et on va bien sûr travailler depuis la maison comme d'habitude. Enregistrer le guide du style. Ok. Oh non, mais Darren, tu te réveilles pile quand ton frère il retourne se coucher. T'exagères un petit peu quand même là. Bon. Allez, c'est papa qui va s'occuper de toi un petit peu. Il va laisser lui filer le bibi. Elle va dire... Ah, elle prend quand même un peu. Bon, ça va. Oh, cool. Et après, tu iras faire un peu d'étoiles, Darion, puisque de toute façon, tant que si tu fais pas le ménage, eh ben, tu feras ça. Oh la vache, chef-d'œuvre à 3334 simflouz pour Darion. Pfiouh, la vache, merci. Allez, Dita, il est l'heure que tu te mettes au taf quand même. Donc, une petite mise à jour des réseaux sociaux. Et puis, elle va commencer à enregistrer le guide du style. Arrête avec ton téléphone, là, meuf. Enfin, normalement, c'est sur l'ordinateur que tu dois mettre à jour. Hein, mais bon, c'est pas grave, on lui dira pas. Allez, boss, coquette. Bah, je sais pas à qui elle parle. Et elle enregistre le guide du style sans taper quoi que ce soit sur son PC. Donc en fait, je sais pas. Regardez, c'est pas du tout logique. Il y a un truc qui va pas, mais bon. Pourtant, il y a eu la mise à jour avec les corrections de bugs, mais là, je sais pas ce qui se passe. Mais elle fait pas ce qu'elle est censée faire, en tout cas avec le PC. Donc voilà. Alors, elle a gagné 150 abonnés. 2400 simflouz, est-ce que tu as fait ta tâche du jour? Oui, eh ben, elle doit atteindre le compétence suite de niveau écriture. Ok, très bien. Eh ben, tu vas écrire un livre de genre scénario, du coup, pour y arriver. Et puis comme ça, ça nous fera aussi des sous tous les jours. Arrête de parler, toi. Ça va, les enfants, ils dorment pour l'instant. Ah, elle est trop mignonne, cette toile. Tu vas l'encadrer et la mettre dans ton inventaire. Voilà.
Bon, allez, on va se réoccuper encore de Daraen. Parce qu'elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Et elle est casse-couille. Voilà. On n'a pas pu atteindre le niveau 8 encore. Mais de toute façon, c'est pas grave. 16 heures de boulot sont finies. On va faire une réunion de groupe. Voilà. Ils vont arriver. Bon, on a récolté pas mal de points. Mais c'est une bonne chose. Tu vas pas regarder ton fils. Et vu qu'on est en réunion de groupe, tu vas les courir comme ça. Oh, les dégaines qu'ils ont. Le petit, je crois qu'il avait besoin de faire pipi un moment. Ouais, ben papa va t'apprendre le pot. Voilà, comme ça au moins papa il sert un peu à quelque chose. Vas-y, allez, Darion et Drazik là, les deux. Au boulot. Oh non, la petite elle repleure, mais c'est pas vrai. Cool. Voilà, à chaque fois je fais bouger le truc. C'est Jamie Blanc qui a fait cette superbe toile, donc on va pouvoir vendre. Et se faire un peu de popo, gnon. Donc ça c'est bien. Star montante, bravo Darion. Tu peux vendre celle-là, s'il te plaît, aussi. Et tu vas me faire une toile surréaliste à 75. Voilà, ça fait toujours des points, tout ça. Ouais, Darion, compétence 10 en peinture. Eh, tu nous fais quoi comme toile, là? C'est sympa, ça. C'est hyper sympa, guitariste. Ah, j'aime bien. Oh, t'es dégueulasse. Tiens, tu vas l'encadrer et tu vas mettre dans l'inventaire. C'est cool, n'empêche. Tu fais des trucs sympas. Tu vas discuter un peu de sandwich fromage fondu parce que toi, t'es comme ça. T'es un peu un ouf. Tiens, Drazi qui se pointe. Qu'est-ce que tu viens faire là, petit coquin? Ah, il a faim. Drazik, ben, il faut que tu remontes. Hein. Tu sais, c'est pas ici que tu vas avoir à bouffer. Hein. C'est dans la cuisine. Et je vais te servir à manger, mon petit. Tiens, il y a encore des pancakes. Et Darren, elle fait encore chier son monde. Elle est quand même beaucoup plus relou que Drazik. Donc, bon, voilà. Pour l'instant. Ah bah. Papa, va t'occuper de tes fesses. Va te divertir, va faire à manger, fais quelque chose. Bon, ma petite Dita, tu as bien bossé. Tu as bien fait... tu vas prendre un bain de mousse. Voilà, ça va te divertir, ça va te relaxer, tout ça. Après, il faudra que tu manges quelque chose. Elle aura bien fait du sport aujourd'hui dans sa réunion, donc c'est agréable. Allez, va te prendre un bain, j'ai dit. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Allez. Oh là 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 là, difficile, hein. Elle est définitivement bien chiante quand même, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Bon, le petit, pour l'instant, Drazi qui dit trop rien, mais elle est quand même relou, hein, la petite sœur. Ouah, j'avais pas vu, il est 5h du matin. On va les... Oh là là, 1321 points. Oh, on va les relâcher, hein, parce que là, ils vont être exténués. Puis Adita, elle est pas mal exténuée aussi. Écoute, la nuit va être courte, hein, et puis ils sont tous les deux fatigués, et ils manquent tous les deux de distraction, donc je vais leur faire faire après un petit crac-crac. Ça va les remonter au niveau du divertissement et puis ce sera déjà bien, quoi. Mon chéri, il est quasiment 6 heures. Ça te dit que... Ouais! Puis allons... Allez-y avant de... que les enfants se réveillent parce que là... toc, 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 toc. Je pense que le crac-crac va être assez nul. Hein. Mais c'est vraiment juste pour leur monter le divertissement. Voilà. Là, ça remonte quand même pas mal. C'est magique, le crac-crac, si vous voulez. Et puis là, j'ai pas de contraintes. Hein. Je peux leur faire faire crac-crac seulement si j'ai envie. Après, bien sûr, on va lancer une troisième grossesse, hein, vous inquiétez pas. Hein. Pour avoir un troisième enfant. Mais regardez-moi comme ça remonte. Hein. Ah là là, ben lui, il est déjà dans le verre. Elle, ça y est aussi. Oh, bon, bah, tout va bien. Par contre, la nuit va être très, très, très courte et compliquée, je pense. Et Darren, elle reprend ses droits de chieuse. Oh là là, c'est pas possible, la petite sœur. Drazik, c'était un amour, un ange. Et elle casse les pieds, quoi. Tu viens dormir. Reviens dormir, Drazik, c'est bon, t'inquiète pas. Ta sœur, elle va se fermer sa tronche. Allez, reviens. Mais au moins, elle retourne au lit, parce que là, ça fait pas longtemps qu'elle dormait, quoi. Allez, bébé. Oh, dodo, petit chou. Alors, on a gagné des... sous-sous pour... elle gagne 2400 simfous par jour de boulot, quoi. C'est oufissime. Et on va bien sûr travailler de la maison, comme d'habitude. Ah, ça va être la fête des récoltes demain. Ok. Donc, il faut qu'elle aille dans un bar, un club ou un bar à cocktail. D'accord, très très bien. Et toujours la compétence d'écriture a augmenté. Bon, allez, midi, c'est une bonne heure pour se lever quand même, hein, Dita. Tu vas faire tes petites ablutions. T'as même pas besoin de manger tout ça. T'es en bonne forme. Tant que les petits dorment,
Et puis, ben, on va aller tout de suite au truc bar à cocktail et tout. Il flotte dehors. Bref, c'est la vie, hein. On est en automne en même temps, hein. Bientôt l'hiver. Donc, ah non, il a cassé le bazar. Ah ben, mon gars, tu sais ce que tu feras? Tu répareras. Ah, Darren! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle est chiante! Ça y est, hein! Ça commence à me poursuivre, les bébés chiants, hein! Ça y est! Ah! Hey, tu me saoules, hein, meuf, là! Franchement, tu me saoules! Voilà, c'est tout! Allez, on va laisser Darion gérer, on va se bouger avec Dita pour aller dans un bar! Cool! Ok, j'ai décidé qu'on allait à Del Sol Valley. Tu vas venir là, du coup, hein. Voilà. Bon, elle a perdu tout son gras, là. Hein. Ça a un peu été miraculeux. Elle a couru et puis pouf, elle a plus de gras sur les fesses. Donc, voilà, qu'elle se déplace. Il y a des dames enceintes dans le coin. Tu vas commander un truc, peut-être, à manger. Commander à manger. Un petit bretzel, allez, pas des chips, hein. C'est parce que tu viens de retrouver ta ligne. Tu vas pas non plus m'en faire des chips juste derrière, hein. Bon. Ah bah ça y est, c'est validé. Observez ce que portent les gens dans les yeux de divertissement. D'accord, ok. Bon bah écoutez, elle va discuter un peu avec eux. Et tu peux aller voir Noël pour la relooker, notre amie Noël, qui fait partie de notre groupe. Mais bon, ce serait cool de la relooker, histoire que... Voilà. Bon, arrête de bouffer ton truc. Voilà. Repose à Noël d'être relookée. Alors, est-ce que ça te dit d'être lookée? Parce que bon, elle est jolie, hein, mais je pourrais peut-être lui retoucher sa tenue principale ou une coiffure. Ou... Le maquillage, j'aime pas trop le maquillage, j'avoue. Pour le relooking de Noël, je lui propose cette tenue et cette coupe de cheveux. J'ai allégé le maquillage quand même. Bon, après, elle n'est pas très belle en fait de près. Il vaut mieux la voir de loin, c'est comme Alain. Et je lui ai mis cet ensemble-là, donc de vivre ensemble, il me semble. J'ai changé la robe en habillée et je voulais vous montrer la tenue en maillot de bain. Regardez-moi ces muscles de malade. Ça, c'est de faire des groupes avec Mounou, hein. Et puis, ben, ils font du sport jusqu'à 5h du matin. Et ben, voilà ce que ça donne. Vous êtes gaulés, méga gaulés. Donc, moi, je vais aller faire partie de ce groupe, vraiment, quoi. Bon, voilà. Pour le relooking de Noël, je la trouve plutôt très sympa, quand même. Bon, arrête de parler toute seule. On a validé. Oh, on arrive à compétence suite écriture? D'accord. Elle a fait barrer les pigeons et elle est contente. Ok, allez, on rentre à la maison. Ok, ça pleut, ça pleut. Tu rentres à la maisonnée. Oh, ton fils, il est là. Fais un petit câlin. Mettre au lit. Prends dans les bras. Bon. Il est quelle heure? Ah, 18h. Tu vas pas le mettre au lit tout de suite. La petite, elle a pas grandi. Tiens, Paul, qu'est-ce que tu fous là? Tu nous rends visite? D'accord. Alors, et pour ce soir, je pensais qu'on allait se faire un petit rancard avec Darion, puisque je dois aussi compléter l'aspiration de Dita. Gagner de l'argent à deux rancards, machin. Donc voilà, on va faire un petit rancard. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Et déjà, tu peux dire bonjour à Paul, qui a l'air d'aimer les enfants. C'est un peu flippant. Non, je plaisante. Tu dis bonjour et puis ouais, tu lui demandes de partir. Et puis nous, on va se faire un petit rancard. Bon, à la maison, malheureusement, je pense. Hein, on va peut-être pas sortir. Oh, Darren, tu m'as pas manqué. C'est 5 minutes hors de la maison. Voilà. Allez, c'est très bien ça, ma belle. Tu fais des petits mamours à ton mec. Et. Ah, on peut plus. Je sais jamais. Reposer un rancard, voilà. Dis chérie, t'es en face de moi, mais je t'appelle quand même pour te proposer un rancard. Qu'est-ce que t'en dis? Même si tu décroches pas, parce que t'es en face de moi, donc voilà. Allez, on reste à la maison quand même. On va s'occuper des gosses comme ça. Bon, c'est un peu le rancard de l'angoisse avec les gamins qui sont juste à côté et tout ça, mais bon. Voilà, hein, tu vas. Voilà, bah lui il est déjà enjôleur, elle aussi. Ah bah ça y est! C'est bon, non? Très enjeu. Ah non, elle est joueuse, elle, d'accord. Tu. Ok, il faut que tu le. Que vous deveniez sexy l'un et l'autre. Toi, tu vas devoir la séduire, hein, lui donner des envies de fesses. De sesque, quand même, un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Faire un massage à votre rancard. Est-ce que tu peux masser ta belle? Je ne sais pas. Complimenter la main. Plus de choix, exprimer son affection.
Ta-ta-ta-ta, proposer un massage. Au passage, j'en veux bien un, là. J'ai très mal au dos, moi, aujourd'hui. Alerte au gamin qui fait de la merde! Alerte au gamin qui fait de la merde! Dita, dita, dita! Éducation, discipline sévère, hurler dessus pour emmener le bazar! Saloperie de gamin de ta mère de pute! Tiens, tu Ah, bon, bah, tu vas nettoyer après Darion, parce que lui, j'aime bien l'utiliser comme. Comme un peu comme sous-fifre. T'es fatigué, mon petit. Va dormir. Voilà. Et puis vous, vous allez faire. Bon, voilà, faire crac-crac, c'est parfait. Vous allez allumer le feu. Vous allez mettre de la musique électronique. Et puis vous allez danser. Danser ensemble. Hein? Voilà. Ça va nous valider. De toute façon, il faut l'argent. Donc, limite, on peut déjà. Voilà, bon, on a l'or. Donc. Voilà, vous êtes magnifique, sexy, vous pouvez éteindre maintenant, ça sert à rien. Et vous allez me faire un bébé maintenant, tout de suite, puisque vous devez faire crac-crac, quoi. Donc vous allez faire même deux fois pour vous assurer que que la graine est bien plantée, pas que la plante est bien grainée, parce que ça ne veut rien dire. C'est aussi l'anniversaire des Darren! Ben on va voir du coup s'il y a les cheveux noirs ou les cheveux blonds. Suspense! Après, elle était très chiante. Mais ça veut pas dire ce que ça veut dire. Hein. Vous savez que les enfants blonds dans mon decade, c'était très chiant. Mais le petit Drazik qui est blond est très très sage. Donc, alors on va savoir bientôt. Et les salauds là, vous rendormez pas tout de suite. Viens là, toi! Essayez de faire un bébé. Allez, ma belle. Qu'est-ce que vous allez? Bon, encore loin là. Parce qu'il y a... Oh là là, oh le nuage de pu... Oh le nuage de puanteur qui la poursuit. Eh, sinon, ça t'a dit de remettre ça? Ah oh oui, mais j'aime tellement ton odeur de sueur, chérie, que je ne peux m'en passer. Je vais sniffer. Hein, je vais la mettre dans un bocal et quand tu me manqueras, je snifferai le bocal, quoi. Miam, miam, miam. Allez, happy party de jambes en l'air, mes amoureux. Alors, beauté, tu vas prendre une douche. Parce que là, tu pues! Tu pues! C'est horrible! J'attends de voir les deux petites flèches et puis on fera ton. Comment ça s'appelle déjà là? Le test de grossesse. Mais pour l'instant, pas de petite flèche. De double flèche, je veux dire. Enfin, j'ai plus de mots là. Elle me casse les pieds. Hein. Eh, mais tu pues toi! Non, alors tu vas pas faire de conneries, déjà. Tu vas aller sur le pot. Ouais, il a déjà fait caca. Oh, tu m'énerves! Oh, Drazik, tu me casses les pieds. Hein. Tu vas faire un câlin, tu vas parler. Et tu vas dire qu'est-ce que c'est, parce que tu j'avais 10 ans que tu le vois ce nounours là et tu sais toujours pas ce que c'est. Dita, stop, stop ta douche, stop ta douche, stop ta douche, fais la terre 2 minutes. Oui, ça fait du bien. Écoutez ce calme. J'espère que c'est calme chez vous en tout cas. Toujours pas de double flèche, ça veut dire quoi? Par contre, elle a la double flèche de la vessie. Est-ce qu'ils auraient changé et mis double flèche dans la vessie? Hein? Au lieu de la fin? Parce qu'il y a une mise à jour, hein? Peut-être qu'ils ont changé des petits trucs comme ça pour nous embrouiller, voyez? Allez, va tester ta fécondité. Oh là, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle tremblait. Oui! Donc c'est peut-être tout à fait qu'ils ont changé. Ils ont mis les doubles flèches dans la vessie plutôt que. Et du coup, elle a pas pissé? Mais c'est une blague. Va pisser! Ah là! C'est mon bon. On va arrêter le rancard, ça sert à rien là. On a fini. On a gagné une étape pour son aspiration. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah écoute, toi fais ta life aussi, mon gars. Hein. Il est juste un peu, même pas 1 heure du matin. Voilà. Et puis Dita, après, t'iras manger et t'iras au lit. Voilà. C'est bien, Darion. Tu nettoies ce qu'il faut, parce que rien de ta femme, elle a tout dégueulassé. Surtout les chiottes, mon Dieu. Quelle horreur. Voilà, au moins tu sers à quelque chose. Ah, oh, mais Darren, tu c'est pas possible, cette gosse. Dita, je suis désolée, viens. Tu viens juste là. Ouais, non, mais elle vient de se coucher, quoi. Et lui, il va gueuler, il va dire quoi? Il va pleurer aussi. Ah, puis la faim. Oh non, mais c'est un bordel sans nom. C'est pas possible. Oh, je vais le faire bouffer. Puis voilà, c'est pas grave. Hein. Pendant que papa il nettoie les chiottes, bébé Drazik va manger. Puis après, c'est pas grave, tu iras te recoucher, mon petit. C'est pas possible. Oh!
Qu'est-ce qu'elle est chiante! Bon, Darion, cette fois-ci, c'est toi qui t'y colle, parce que là, elle me pète les noix et Dita doit dormir. Et lui, là, il pue la mort, ce gosse. S'il te plaît, va sur le pot pendant ce temps-là, mon tio, et après, papa, il va venir, il va aller te laver, parce que c'est plus possible. Et les gnomes qui commencent à envahir la maisonnée. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non mais Darion, tu t'y mets aussi à faire chier le monde, là? Allez, tu me répares cette douche! Tu répares cette douche, tu te démerdes! Oh, c'est impossible, ça. Mais non, mais c'est pas vrai! Wow, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle grandissait, mais en fait pas du tout. Et puis toi, tu vas pouvoir donner un bain à ton fils, un bain de mousse, parce que j'en ai marre de ce bordel. Regardez-moi ce pauvre tuyau là qui est dégueulasse comme la mort. Oui, la mort est dégueulasse, bah oui. Il grandit dans 4 jours, donc je suis bien, on a le temps, hein, quand même. Allez, Darion, vas-y, lave ton fils. Pendant que Dita, t'es... Il est 8 heures, mais vas-y, retourne te coucher un peu. Non, mais retourne te coucher, on s'en fout, ton gamin, il est dans l'eau, il dort, il se lave. Va te coucher. Repose-toi quand tu peux encore avec ta fille, elle te casse pas les pieds. Et puis après, tu pourras travailler. Tout ça rime. Bon, par contre, c'est trop cute. J'ai l'impression qu'ils ont fait un petit truc, non? Parce que là, t'as Darion qui chantait pendant que là, il était dans la. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une petite interaction en plus au niveau des voix et tout avec le petit dans la baignoire. Donc c'est trop cute. Et tu peux retourner dormir, s'il te plaît, Drazik. Tu seras un amour. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, t'es mouillé, oh, mon pauvre Tio. Tu es mouillé, mon pauvre petit. Allez, si t'es fatigué, tu retournes au lit. Hein. Ouais, voilà. On est jeudi. On essaie de faire la grasse mat malgré tout. Hein. Elle va encore avoir une augmentation, là, une promotion tous les jours? Non, on refuse, on s'en fout. Là, on doit aller au niveau 10, on est au niveau 8. Attendez, moi je. On va voir ça, hein. Attention, 11 h. Dans 1 minute, oui. Bah d'accord. Bah tu te mets en route, travail ou. Faut qu'elle se lève ou je sais pas. Vas-y, lève-toi, ça va peut-être déclencher. Va manger, va aux toilettes. Ok. Il y a un. Ah non! Ah bah si, elle travaille! Mais what the fuck? Je comprends pas là. Il m'a rien proposé. Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Oh là là! Oh dis! C'est quoi celui-là? Je l'ai jamais. Alors le verre, je l'ai déjà eu. Déjà lui avec son gâteau, je sais pas. Mais alors celui-là? Évaluation de l'impression. Tu vas l'évaluer celui-là. Il est mignon avec son petit. Oh non, il est trop chaud celui-là. Bon, je sais pas trop, hein, mais pourquoi ça a bugué comme ça sa carrière. Mais de toute façon, elle avait même pas eu la compétence suite en écriture. Regardez. On est en 7. Alors pourquoi il me dit que je suis arrivée à 8? C'est du bug. J'appelle ça un bug, monsieur, dame, les Sims, la Maxis. C'est un bug. Bordel! Elle me casse les. Tu me saoules, Darren! C'est pas possible! J'en ai marre! Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Tais-toi! Et grandis! Puis après, toi, tu feras ta life aussi. Le petit, il va commencer à avoir faim. Lui, il descend. Il va voir sa maman. Oh, maman, qu'est-ce que tu fais, ton ordinateur? Maman! N'importe quoi. Ils sont trop mignons tous les deux. Ils sont trop mignons. Mais qu'est-ce que tu nous fais, toi là? T'es très rapide avec ta souris, hein. T'es très bizarre. Et je pense que c'est Darion, il a compris que je l'avais automatiquement mis à la place de nounou, bonne à tout faire, à tout parce que là. Alors, vous inquiétez pas, je gère pas avec les nains. J'ai pas envie d'avoir des millions de graines partout. J'ai pas envie qu'ils m'électrocutent tout ça, donc je les gère pas en fait. Voilà, c'est juste ça. Ouais, je confirme, ils ont changé pour la grossesse, hein. Ils ont fait une vessie qui descendait plus rapidement finalement que la bouffe. Donc ils ont fait une petite mise à jour là-dessus. Voilà, donc maintenant nos Sims enceintes vont avoir besoin d'aller pisser beaucoup plus souvent que de manger beaucoup plus souvent. Ça les évitera peut-être de grossir comme des grosses vaches, hein.
disons le mot, ça les évitera donc qu'elles grossissent, ses filles, c'est pas mal. Ouais, bah non, ça y est, maintenant elle a les deux petites flèches pour le manger. Et plus dans la vessie, d'accord, je sais pas ce qui se trafique, mais bon. Oui, non, mais ça se voit pas, mais elle est quand même bien enceinte, hein. Pour l'instant, ça se voit pas trop. Elle est vraiment relou. J'ai hâte qu'elle grandisse, mais à mon avis, en bambin, elle va être chiante aussi, hein. Voilà un magnifique dîner de la fête des récoltes de Thanksgiving. Qui bat son plein, tu vas chanter la chanson, tu vas. On va essayer de réussir quand même la fête. Ah, mais c'est pour ça qu'elle n'allait pas bosser! Oh là là, je suis bête moi. Je capte que maintenant que c'est férié, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie travailler. Mais quel dommage! Normalement, elle devrait avoir sa promotion. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Elle devrait pas tarder à popper, la petite. Donc je me tiens prête. Ah bah, voilà. Et c'est une blondinette aussi! Oh tu, oh punaise! Comment elle s'est fait éjecter du truc? Et c'est une blondinette avec, eh ben encore une fois les yeux de papa. Oh, oh la gueule du menton. Ah non mais alors ça va pas être possible. Je suis obligée de lui changer son menton là. Elle ressemble à rien là précisément. Je vais quand même la mettre pénible du coup. Hein. Voilà, je me facilite pas les choses. Mais Bichette, le menton ça va pas être possible. Là t'as pris le menton de ton père et t'es non. Regardez, c'est non, c'est autant sur lui ça passe, mais alors sur toi ça passera pas ma jolie. Mais elle est toute mignonne avec cette coquette. Elle est mignonne avec cette petite robe quand même. Trop cute. Bah ouais, voilà, Darren a enfin grandi, sauf que bah je n'ai qu'un seul bas de bas. Je n'ai qu'un seul lit. Donc bon, je sais pas comment je vais m'organiser encore. Allez les filles de la maison, entre trop chouquettes. Tu pourrais faire quoi? Elle a l'air d'être. Elle a l'air d'être en bonne forme, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il est 22h. Bon, écoutez, hein, par lui qui est fatigué, tu vas aller dormir, Drazik. Et puis les parents, ils pètent la forme, donc c'est cool. Vous allez faire crac-crac et vous allez aller au lit. Et la petite, eh ben, elle va s'occuper, elle va jouer, tout ça. Et aussi sûr. C'est que moi, je lui modifierai ce menton parce que c'est hors de question qu'elle se balade avec un menton digne d'une sorcière. Allez. Oh, les pervers, les gnomes! Ils sont en train de mater ce qu'ils font là, sous la couette. Non mais what? Faire un câlin. Non mais c'est pas grave, tu vas dormir, Dita. Vous allez faire un petit somme. J'ai installé le lit ici, que la petite ira dormir. Après avoir joué avec ses cubes. C'est pas mal. Et puis comme ça, s'il y en a un qui se réveille, il ne réveillera pas l'autre. Ou alors, puis bon, cette pièce, elle sert pas à grand-chose. Donc autant foutre un lit de bambin ici, c'est très bien aussi. Ça va, les gnomes pervers, là? Hein? Ça va, tranquille? Alors, est-ce qu'il y en a qui va se lever? Non, c'est bon. Ok, eh bien moi, dans ce cas-là, je vais vous quitter pour cet épisode là-dessus. Ah bah si, il y a elle qui se lève. Ah! Dodo, va dormir. Mais allez dormir! Oh, je suis pas chaud, ça. Moi, je peux plus dire au revoir à mes abonnés. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ce sera passé quand même pas mal de choses. On n'a pas encore vraiment débloqué deux pièces pour cette fois-ci, mais c'est pas que partie remise avec la prochaine naissance du troisième enfant. Darren, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est sûr, je lui change ce menton parce que c'est vraiment dégueulasse. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Challenge à la place du marché. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder des pubs sur YouTube. Tout est dans la description. Des gros bisous. Salut!